love me. Love me all night long. My baby says she love me. Love me all night long. As long as my mojo be working, she'll love me all night long. Squeeze me tight. Squeeze me tight all night long. My baby, squeeze me real tight, y'all. Squeeze me tight all night long.
Bonjour Evjor. Bonjour. C'est donc le 17e Salon International de l'Art. Cette année, on peut lire sur l'affiche qu'il fait son cinéma. De quoi s'agit-il ? Alors oui, effectivement, à l'occasion de cette 17e édition, nous avons mis le 7e art à l'honneur, une thématique qui suit un petit peu celle de l'année dernière puisque nous avions fait la BD. Donc le cinéma cette année, les visiteurs vont pouvoir emprunter le tapis rouge avec des étoiles d'Hollywood Boulevard. Ils vont pénétrer dans deux sas et découvrir des photos de stars de cinéma lors du Festival de Cannes. Ils vont pénétrer dans une autre salle avec des affiches de cinéma, des musiques de films et puis après on pénètre dans le salon. Les artistes du SIAC ont-ils joué le jeu du thème du cinéma ? Oui, tout à fait, puisque sur l'espace restauration, sur les murs plus exactement de l'espace restauration, plus d'une dizaine d'artistes peintres ont accroché leurs tableaux sur le thème du cinéma. Et puis, à la sortie du salon, nous avons des images, des concept designers. Donc, c'est un métier très particulier en relation avec le cinéma. Et donc, on peut découvrir des planches sur des films célèbres comme le Gladiator ou le Cinquième élément. Revenons un peu au salon. Combien d'artistes sont présents cette année ? Alors, cette année, nous accueillons 167 exposants qui viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger, puisque 14 nationalités sont représentées. Nous avons la Belgique, le Canada. Je vais prendre ma petite liste peut-être, ce serait bien pour n'oublier personne. L'Arménie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Costa Rica, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Guinée, le Maroc, les Pays-Bas, la Suisse et le Zimbabwe. Voilà, comme ça je n'ai oublié personne. Et on peut dire qu'il y a une belle alignement de pavillons à l'entrée du salon également. Oui, effectivement, puisque en bordure du grand tapis rouge, nous avons tous les drapeaux qui sont représentés. Donc ces artistes présentent des œuvres très diverses. Artistes peintres qui présentent forcément des huiles, mais aussi de l'aquarelle, des techniques mixtes, du pastel, de la photographie, de la musique, de la mosaïque, pardon, et des sculptures en bronze, en marbre, en bois, en matériaux composites. Et alors, comment procédez-vous pour sélectionner tous ces artistes ? Alors, une sélection se fait déjà en amont, puisque ce sont tous des artistes professionnels qu'ils doivent justifier d'un numéro de SIRET et d'une inscription à la Maison des Artistes ou à la GESA. Et ensuite, ils doivent procéder à un dossier présentant un petit cursus artistique et une dizaine de photographies pour sélectionner leurs travaux. Très bien. Et est-ce que vous vous sentez prête pour préparer le SIAC de l'année prochaine ? Alors, le SIAC 2018, bien entendu, est déjà programmé puisque ce sera du 16 au 19 mars 2017. Les dates sont arrêtées pour l'année prochaine. Bon, mais je pourrais conclure en disant, pour suivre le thème, que la force soit avec vous. Merci beaucoup et à l'année prochaine.